Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode où aujourd'hui on s'attaque à un projet un peu massif, en tout cas que j'ai jamais réalisé comme ça. C'est celui de peindre l'intérieur, tout d'abord, de notre local. Je vais m'attaquer au bas de ce local, puisqu'il a été divisé en deux par la goulotte électrique que j'ai posée précédemment. D'abord, j'aimerais remercier notre généreux donateur qui nous a filé deux pots de peinture, qui se reconnaîtra. Des gros bisous poilus à lui. Et ici, la méthode est relativement simple. J'y vais un peu sans filet. C'est la première couche. Je pense qu'on va devoir en mettre au moins deux. Et la méthode est relativement simple. Je commence au pinceau pour mettre un petit peu de peinture à côté de la goulotte électrique, qui est difficilement atteignable avec le rouleau. Et ensuite, je prends la peinture et je commence à la badigeonner avec le rouleau. Bien sûr, j'essaye de croiser les couches, j'essaye de suivre tous les conseils que j'ai entendus dans les années où j'ai vu des gens faire de la peinture. Ici, une autre problématique, c'est que le mur est relativement inégal. C'est des plaques d'aggloméré qui ont pris un peu l'eau et qui difficilement s'assemblent les uns avec les autres. Le but ici n'est pas d'avoir une surface complètement nickel à 100%, il est juste d'avoir une surface blanche qui va permettre justement aux vidéos qu'on va tourner ensuite dans ce local d'être un tout petit peu plus visible, un peu plus clean et avoir un côté un peu plus propre. Le côté marron, beige un peu malsain, c'est rigolo au début, mais en fait ce coup de blanc général permet d'avoir un endroit plus agréable où travailler. Il est évident que le blanc va très vite se transformer en d'autres couleurs un peu bizarroïdes, mais au moins ça va permettre justement de démarrer sur une base saine et d'avoir un local qui est beaucoup plus agréable à travailler. Toute la première partie de cette peinture, du bas en fait, qui représente à peu près un quart de la peinture, m'a pris en gros une grosseur. Et c'est pas énorme, et c'est principalement dû à la qualité de la peinture. Peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais vraiment, quand vous peignez, il est bon d'investir dans une peinture de bonne qualité, qui vous permettra d'avoir un rendu nickel, sans avoir à faire 72 000 couches. Bien sûr, j'ai joué au cochon des Landes, et je me suis mis un peu de peinture partout. Je m'en suis mis sur les mains, je m'en suis mis sur le t-shirt, sur le pantalon, qui officiellement maintenant est devenu mon pantalon Cradock de travail avec des grosses taches de peinture. Rien de dramatique à tout ça. En tout cas, la prochaine fois, je vais essayer de faire la première couche du haut, et ensuite faire une deuxième couche, et ensuite, il y aura l'extérieur à faire. Pas mal de peinture, donc, dans un futur proche. J'espère que cet épisode vous aura plu. À très bientôt.